Coopération Ivaro-Burkinabé, quelle opportunité d'affaires entre les hommes d'affaires du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire? Voilà la question au centre des échanges à Abidjan à compter de ce mardi 22 novembre et ce jusqu'au 25, dénommé Salon des 96 heures des hommes d'affaires ivoiriens et burkinabés. C'est une initiative du cabinet Exodos qui compte ainsi mener des réflexions sur les opportunités d'affaires tant au Burkina Faso qu'en Côte d'Ivoire et la possibilité que les hommes et femmes d'affaires des deux pays puissent tirer profit. Issa Badini et Doumbia Ayouba étaient à la cérémonie d'ouverture. Je déclare ouvertes les 96 heures des hommes d'affaires burkinabés. Par cette formule consacrée, le consul général du Burkina à Abidjan donne ainsi le top départ des 4 jours de rencontres, des panels de communication, des B2B. Le tout sur le thème central, quelle opportunité d'affaires entre les hommes d'affaires ivoiriens et burkinabés, défis et perspectives. Nous sommes à l'ouverture du salon des 96 heures des hommes d'affaires entrepreneurs ivoiriens et burkinabés. Après un tour de stand et quelques échanges, Benjamin Nana ne doute point de l'opportunité qu'offre le salon aux hommes d'affaires des deux pays. C'est une belle opportunité qui s'offre aux hommes d'affaires, femmes d'affaires, opérateurs, opératrices économiques burkinabés et ivoiriens. Et au-delà, vous avez vu dans la salle, il y a eu des hommes d'affaires venus de l'Europe. Donc tout cela sont des opportunités en termes de partenariat d'affaires. Mettre en relation les hommes d'affaires des deux pays et profiter des opportunités existantes, c'est tout le sens du salon et également de ses initiateurs, à commencer par son commissaire général. Le salon vise à renforcer les liens séculaires et du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Ce salon est ouvert pour les opérateurs économiques et pour le renforcement des capacités de l'entreprise, pour les partenariats de tout, de tout. Il y a longtemps qu'on parle de la coopération sud-sud. Et donc, dans ce cadre-là, il faut déjà commencer par le voisin le plus proche, le voisin le plus immédiat. Et en cela, la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de compétences. Moi, je suis dans le BTP pratiquement, et puis dans l'agroalimentaire. Et je pense qu'ici, à Abidjan, ici, le pays est en construction. Et puis, il y a beaucoup d'opportunités pour tout le monde. Et j'espère que moi aussi, je vais trouver ma part. La cérémonie inaugurale de ce mardi 22 novembre a cédé la place dans la foulée au premier panel sous le thème « Création et promotion des entreprises face à l'emploi jeune ».